Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au peuple africain. Bonsoir aux panafricains. Bonsoir surtout à mes semblables africains. Qui aurait cru qu'une délégation italienne de passage en Somalie aurait refusé de retourner dans son pays, l'Italie, et demander au gouvernement somalien de prolonger leur séjour. Qui aurait cru le premier ministre somalien rapidement parti vivre en Angleterre dès la fin de son mandat, soit décédé du Covid-19. Oh, peuple africain, peuple de Kimbangu, peuple de Thomas Sankara, peuple de Kwame Nkrumah, peuple de Modibo Keïta, soyons forts, soyons forts. L'heure est arrivée. Qui aurait cru les embarcations clandestines allant des côtes maghrébines vers l'Espagne seraient aujourd'hui chargées d'Espagnols vers le Maroc? Bonsoir à tout le monde, partagez-moi la vidéo de façon qu'elle ne soit pas signalée. Qui aurait cru celle qui était la plus grande armée au monde voit ses soldats mourir comme des bêtes dans les bases ou des porte-avions mourir décimés comme des mouches? Qui aurait cru les plus puissants mourir comme des mouches aujourd'hui? L'Africain est puissant. Nous aurons beaucoup de volets et on va bien développer. Qui aurait cru tous les rassemblements religieux seraient interdits aujourd'hui de rassemblement? Qui aurait cru? Si on vous avait raconté cela il y a 3 mois, personne n'aurait cru. Mais là, c'est la réalité. Ah.
Alors louons le Seigneur, Dieu est grand, mes amis. On va arrêter la musique, on va commencer. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, mes sœurs et frères de la mère patrie, l'Afrique, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour intervenir par rapport à la situation qui prévoit en Chine. Énormément de gens. Partagez la vidéo parce qu'on va parler de choses sérieuses. Énormément de gens. Norba, il faut agir. Norba, il faut parler. Regarde, il y a nos frères africains qui sont en train d'être martyrisés, brutalisés en Chine. Mais n'est-ce pas nous, les Africains, qui avons donné quitus à ces gens-là? Depuis les années 60, la Chine est en Afrique. Nous avons oublié que le peuple chinois a bavé, a souffert pour faire sa réputation. Mais ces gens-là ont porté une certaine haine en eux. Et aujourd'hui, ils se tapent le luxe de brutaliser les nôtres. Les Chinois se tapent le luxe de brutaliser les nôtres. Et aujourd'hui, comme par hasard, vous n'avez pas remarqué quelque chose. J'en ai pas parlé. J'allais pas passer en direct. Car c'est des sujets sensibles. Beaucoup de stars n'osent même pas parler de cette situation car sensible. Et vous avez remarqué, boostez la vidéo s'il vous plaît. Parce que je ne veux pas que les choses importantes soient dites et qu'il n'y ait pas un nombre de personnes qui soient au courant. Les Chinois se tapent le luxe de brutaliser les Africains. Ça a duré combien de temps? Il a fallu la réaction du peuple africain pour que certains gouvernements réagissent. Excusez-moi. Aurait cru. Aujourd'hui, le peuple africain s'est mis debout parce que ça fait un moment que ça dure. Prendre nos soeurs, nos frères, les martyriser dans un pays étranger, alors que ceux-ci avaient même des visas, des papiers en règle. Les Chinois se sont tapés le luxe de les foutre dans la rue, sans masque, sans assistance. Et cela n'a pas interpellé l'attention des chefs d'État africains. Comment vouliez-vous que le peuple africain réagisse face à ces actes? N'est-ce pas les mêmes qui nous apprennent les lois? N'est-ce pas les mêmes qui nous disent que non-assistance à personne en danger? N'est-ce pas les mêmes? Alors le peuple africain s'est mis debout. Le peuple africain a réagi à sa manière. Peu importe la manière, brutale ou pas, ça reste une réaction. Si c'est le seul moyen que le peuple africain a trouvé pour faire entendre leur voix, et on nous envoie les nègres de maison venir faire la leçon de morale aux Africains
apporter des conseils aux Africains, comme quoi que la réaction africaine était disproportionnée. Et après, on se pose la question, pourquoi nous, Africains, nous n'avancions pas? Après, on se pose la question, pourquoi les Africains n'avancent pas? On nous met toujours un semblable devant nous pour essayer de venir faire l'intellectuel avec des mots durs. Parce que ceux-là qui n'ont pas encore compris la leçon, ils pensent que les intellectuels, c'est ceux-là qui viennent avec le grand français, avec des phrases bien entourées et bien enveloppées. Mais ces gens-là, ils sont au service de l'impérialiste. Ces gens-là sont au service justement des gens qui nous font souffrir. C'est bien de m'envoyer des plaintes en disant que Norba, il faut quand même dénoncer cela, il faut faire quelque chose. Il y a nos frères africains qui sont en train d'être dérangés au niveau de la Chine. Oui, mais c'est Norba qui apparaît pour parler. Je ne suis pas le seul. Les mégastars existent, mais personne n'ose ouvrir sa voix parce que l'ordre mondial a déjà été lancé. Le plus grave, c'est que nous devons comprendre que le monde que nous avons vécu jusqu'à avant le confinement ne sera plus le même. Aujourd'hui, on nous a donné une date, genre le 11 mai. Mais il va se passer quoi le 11 mai, vous croyez? Eh bien, le monde ne sera plus ce qu'elle était avant. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Parce que c'est sérieux. Ce dont on va parler. On nous envoie un semblable pour venir faire la leçon de morale qu'ils ne sont pas pour, de la réaction que les Nigériens ont eue pour brutaliser les Chinois et tout. Norba de Paris n'envoie pas les gens à la violence. Mais aujourd'hui, l'Africain a compris. Aujourd'hui, le peuple africain a compris. Au moindre attaque, au moindre réaction, l'Africain réagit. Au moindre manipulation, l'Africain comprend. J'ai vu mes semblables africains qui ont fait une vidéo pour condamner la réaction nigérienne. Mais pourquoi les Nigériens ont agi comme ça? Il faut se poser la question. Quel gouvernement ou quel chef d'État, voire même les ambassades qui ont réagi, il fallait attendre une semaine pour réagir. Pendant ce temps, il y a nos semblables qui étaient mis dans la rue, sans assistance, sans masque, sans rien. Mais si le virus est parti de la Chine, qui ébranle le monde entier, aujourd'hui, tous les pays qui sont sur l'équateur, autrement dit les pays d'Afrique, nous sommes quand même les moins touchés par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Europe. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à cela. Mais il faut comprendre que ces gens-là veulent faire passer ou faire porter le chapeau du virus corona aux Africains en disant que comme quoi c'est les Africains qui ont apporté le virus vers la Chine. Voilà la mission de ceci. Il n'y a pas un pays en Afrique où les Chinois règnent parfait. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis Congolais, allant au Congo, et vous allez voir, c'est les Chinois qui règnent parfait. Quand Norba de Paris crie haut et fort à la jeunesse congolaise d'apprendre des métiers, mais ceux-ci n'arrivent pas parce qu'ils sont gérés justement par ces fameux Chinois. Ils ont toujours été mis à l'aise. Aujourd'hui, les Chinois ont récupéré le maximum des petits commerces. Même nos frères et sœurs qui partent en Chine pour se procurer de la marchandise, quand ils le ramènent dans le pays, ils les ont suivis dans nos propres pays pour devenir grossistes sur place, pour casser justement la dynamique de ces commerçants. Ils ont libre cours. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui se permettent de brutaliser les Africaines. Mais nous autres là, quand nous dénonçons, quand nous parlons, lesquels qui nous attaquent, c'est les nôtres. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même.
Je ne veux pas recevoir la foudre des uns et des autres par rapport à cette situation qui prévaut. Nigérienne, je trouve ça disproportionné et injuste. Parce que un peuple qui a été martyrisé depuis des années, ils ont pillé nos richesses, ils ont pillé nos biens, ils nous ont brutalisés, ils ont enchaîné nos ancêtres, ramenés. Les mêmes Chinois qui viennent en Afrique, qui violent nos femmes, qui brutalisent nos enfants, qui font travailler nos semblables 7 heures sur 7, sans repos, payés avec des misères. Mais nos présidents africains, justement, ils ne réagissent pas. Pourquoi ils ne réagissent pas? Parce qu'ils sont soumis à des règles strictes, justement, des puissants. Voilà pourquoi je vous avais parlé, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas et ceux qui tombent. Et ceux-là qui tombent justement, c'est nous. Parce que nos chefs d'État n'ont pas la force de réagir. Dans tous les pays où les Africains sont présents au niveau de l'Afrique, les Chinois font même les beignets. Mais le peuple africain ne sera pas capable d'aller acheter chez la maman du coin. Il va préférer acheter chez les Chinois. Je ne cite pas au boycott des produits chinois. Mais je demande justement à mon peuple, à mes semblables, aux Africains, de bien réfléchir. Aujourd'hui, c'est bien, bravo, les Africains commencent à comprendre. On a commencé justement à comprendre. Alors, ce qui m'a choqué, c'est de voir une personne qui est connue, dont je ne veux pas citer le nom, qui est venue justement pour faire la leçon de morale aux Africains, pour dire comme quoi que la réaction nigérienne était disproportionnée. Vous avez oublié que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des Africains qui sont encore retenus prisonniers en Libye. Ce n'est pas parce qu'on ne parle plus de ça que c'est terminé, ça existe encore. Ça existe encore, jusqu'à nos jours. On a juste déplacé le problème. Parlez du Mahatma. Le Mahatma Indira Gandhi en Inde. Mais Indira Gandhi a mené un combat, justement, en privilégiant les siens, les Indiens. Donc, si aujourd'hui les Africains commencent à se mettre debout, à être soudés main dans la main, qu'on ne nous envoie pas les nègres de maison pour venir casser cette dynamique. Et il y a quand même des gens, des Africains qui sont là en train d'applaudir, soi-disant des intellectuels. Vous croyez que l'école d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils nous enseignent à nous? Qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné? Ils nous ont enseigné, ils nous ont gavé le cerveau, justement. Pour devenir ce qu'eux, ils voulaient qu'on devienne. Et c'est ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et où ils nous ont emmenés, aujourd'hui, on est confinés. Mais mettez-vous bien ça dans la tête, mes chers frères. Le monde ne sera plus ce qu'elle était avant le confinement. L'ordre mondial a déjà été lancé. Là, ils sont en train de la finaliser. Le continent africain a été pris en otage. Et c'est dommage qu'il soit trop tard. J'ai cru au bout d'un moment. Ce n'est pas pour faire peur aux uns et aux autres. J'ai cru pendant un moment que nous allions peut-être nous en sortir un jour. Mais là, je pense qu'il est peut-être un petit peu trop tard par rapport à ce qui se passe. Vous croyez qu'ils nous ont confinés dans les maisons pour nous distribuer des bonbons après? Non. Vous croyez qu'ils nous ont confinés aujourd'hui pour que demain on nous augmente les salaires? Non. Eh bien, c'est vous et moi qui allons trimer pour le travail. Parce que c'est les finances qui comptent.
Je suis très choqué. Par les responsables, justement, qui gèrent ce monde. Qui attendent qu'il y ait des victimes. Aujourd'hui, on a brutalisé quelques Chinois. Il y en a d'autres qui disent même, oui, il y a des Africains qui sont mariés aux Chinoises. Oui, dans chaque chose, il y a des exceptions. On est en train de signaler la vidéo. La vidéo est en train d'être signalée. Elle va être interrompue, je pense. Mais bon, on va quand même continuer. Le sujet peut être traité au cas par cas. Mais entre-temps, il y a eu des victimes là-bas en Chine. Entre-temps, avant que les Africains réagissent, il y a eu des victimes. Il y a des mamans, il y a des femmes africaines qui ont été foutues dehors. On ne sait même pas quel climat qu'il y a là-bas aujourd'hui, avec le pagne sur elles. Et on nous envoie un Africain qui vient nous expliquer comme quoi que cette réaction des Nigérians est disproportionnée. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux et triste. Et je pense que le gouvernement chinois a réagi aujourd'hui parce que les Africains ont répondu. Donc maintenant que l'Afrique a mis en place la loi de la vendetta, œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça que nous allons fonctionner maintenant avec les autres. Vous nous avez suffisamment détruits. Vous nous avez suffisamment détruits. Quand nos ancêtres ont quitté l'Égypte pour descendre jusqu'à sur la terre Congo, n'est-ce pas l'envahisseur qui est venu dessiner les cartes? Le doyen Salif Keïta l'a bien dit. Vous avez monté les présidents africains contre leur peuple. À tel point que les chefs d'État africains sont haïs par leur peuple. Parce que vous leur obligez la ligne à suivre. Ça, c'est pas de moi, c'est de Salif Keïta. Mais il suffit de réfléchir juste un petit peu. On comprend la logique de la chose. Parce que ce n'est pas possible. Est-ce que Thomas Sankara, quand il avait parlé, il avait demandé à l'Union africaine de se mettre main dans la main pour faire évoluer l'Afrique? Est-il vivant aujourd'hui? Non. Eh bien, les autres chefs d'État, c'est aussi des êtres humains. Pour bien dresser les brebis, il faut utiliser la peur. Justement, on va peut-être signaler ma vidéo, on va la couper parce que les choses que je dis, c'est des choses normalement qui ne doivent pas être dites comme ça. Dites comme ça. Pour bien encadrer les brebis, il faut utiliser la loi de la peur. On leur dit à eux, il y a un loup devant. Et dès qu'il y a un loup, on essaye de les confiner. C'est ce qu'on a fait de nous aujourd'hui. Nous sommes confinés. On n'est même pas capable de comprendre ce qui se passe réellement. On a écouté le discours du chef de l'État français. Réécoutez bien et réécoutez encore le discours du chef de l'État. Vous allez comprendre que ce qui arrive est plus grave que ce que nous vivons actuellement. Prenons conscience. Si l'Africain aujourd'hui se met debout pour refuser le vaccin, c'est parce que l'Africain commence à comprendre. Et chapeau! Nos amis panafricains qui sont là, qui essayent de chercher du soutien, de faire des manifestations, qui les soutient? Personne. À ce moment-là, il n'y a personne. Mais quand il y a un problème réel où les Africains commencent à se faire agresser, à ce moment-là, on cherche ces leaders d'opinion pour venir parler. Protégez vos semblables. Protégez vos semblables. J'ai reçu la demande d'une maman, une sœur congolaise de chez moi, qui m'a demandé, Norba, essaye de faire quelque chose, essaye de parler de cette situation. Ça fait une semaine. Mais j'ai même dit non, ça ne sert à rien. N'est-ce pas les mêmes qui vont venir pour les attaques? N'est-ce pas les mêmes qui font des calomnies? N'est-ce pas les mêmes qui insultent, qui font tout et n'importe quoi, voire même des caricatures? Et c'est à moi, encore une fois de plus, que vous venez demander de parler de la situation des Africains qui sont en train d'être donc foutus à la porte, brutalisés. Mais tellement on a le cœur
tellement on a l'amour envers nos semblables, je suis obligé et je l'ai fait. Mais je ne le fais pas pour la maman, mais je le fais par amour pour mes semblables africains. Si je dénonce le nom de la personne qui a fait un direct il n'y a pas longtemps, ça va être les mêmes Africains qui vont essayer de faire des comparaisons. Ouais, tu t'attaques à lui, lui il est ceci, lui il est cela. Mais c'est le premier qui est quand même venu pour essayer de condamner la réaction du peuple nigérien. Ça veut dire que quand les Chinois agissent, frappent, brutalisent nos semblables, c'est pas condamnable. Et le peuple africain a attendu la réaction de tous les chefs d'État africains. Il n'y a pas eu une réponse tout de suite. Ils ont réagi par rapport à leurs moyens. Et à ce moment-là, les gouvernements ont commencé à bouger et les responsables chinois ont réagi justement. Et lui, la personne qu'on en voit souvent, la seule chose qu'il a trouvée, c'est de venir apaiser la colère du peuple africain. Les Africains sont en colère. Ça fait des centaines d'années que nous sommes martyrisés. Ça fait des centaines d'années qu'on cherche le bout du tunnel pour s'en sortir. Ça fait des centaines d'années que les Africains cherchent à faire quelque chose de bien pour leur peuple. On n'arrive pas parce qu'on est bâillonné. On est bâillonné par les plus puissants. Il y a un bouton à gauche qui s'appelle partage parce que la vidéo est clignote, elle est en train d'être signalée. S'il vous plaît. On ne peut pas à chaque fois venir en victime. Mais pourquoi on est souvent victimisé? Parce qu'on a nos semblables, justement, qui sont infiltrés, justement, dans le milieu africain. On a nos semblables qu'on écoute souvent, avec des grands discours, avec le bon français. Il y en a qui travaillent dans les administrations, il y en a qui ont été des ministres, il y en a qui ont été ceci et cela. On leur accorde justement la valeur. Quand ils viennent parler devant vous, vous leur accordez de l'importance et vous écoutez ce qu'ils disent. Alors que ces gens-là sont justement infiltrés, envoyés pour vous adoucir. De façon que vous soyez malléables. Comment voulez-vous que les Africains agissent? Quand nos semblables ont été enfermés dans de petites cages en Libye, sans eau, avec des femmes violées, brutalisées, blessées, mutilées. Est-ce que ce monsieur-là qui est venu parler, il n'avait pas vu ça? Il n'avait pas vu les images? Nos différents chefs d'État sont obligés d'appliquer la brutalité envers leur propre peuple. De façon à les maintenir affamés pour bien les contrôler. Qui c'est qui donne ces instructions? Justement, c'est les plus puissants. Et ça, nous n'avons pas encore compris ça. Mais nous devons comprendre que notre continent est en danger. Notre continent, la mère patrie, l'Afrique, est en danger. C'est à nous de la protéger. Peu importe les moyens. S'il faut brutaliser les gens, on va le faire. Parce que c'est le seul moyen qu'on a au jour d'aujourd'hui de se protéger. Parce que nous ne sommes pas développés technologiquement. Nous n'avons pas les moyens militaires pour faire face aux assaillants. Nous n'avons rien du tout. Nous n'avons que dalle. Walou, que dalle pour faire face à ces gens-là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Personne ne va parler. Et quand la personne se tape le luxe de venir dire que quand on parlait de l'esclavagisme, de la colonisation, il n'y a aucun président africain qui a ouvert sa bouche, sinon un seul, c'est Emmanuel Macron qui a dit que qui a parlé de la colonisation. Mais c'est normal. Emmanuel Macron peut se taper le luxe de dire que si le continent africain souffre, c'est parce qu'ils ont été colonisés. C'est la puissance coloniale. Lui, il peut se taper ce luxe. Mais donnez-moi le nom d'un seul président africain qui peut oser dire cela en public. Une semaine, c'est trop. Il saute de son trône.
Donc, il ne faut pas venir avec des discours comme ça pour essayer d'amadouer le cerveau des Africains qui sont énervés par la misère. Les enfants qui naissent à même le sol. Allez-y dans les hôpitaux en Afrique, vous allez voir les enfants qui sont nés sur des tabourets. Et toi, parce que tu es journaliste, parce que les gens te suivent, tu sers justement cet ennemi-là qui détruit l'Afrique pour essayer de malayer, de faire encore un lavage de cerveau au peuple africain qui commence justement à comprendre. Il faut arrêter ces manipulations-là. N'est-ce pas vous qui êtes les amis de ces, des chefs d'État africains? Quand le peuple se soulève, n'est-ce pas vous qui les protégez? Et aujourd'hui, vous venez encore devant le peuple africain pour essayer de condamner justement la réaction nigérienne. Ça veut dire quoi ça? On est où là? Ça veut dire que l'Africain a le droit d'être tapé, martyrisé, personne ne parle. Et quand il s'agit des Européens, on n'envoie même pas un white pour venir parler. On nous envoie notre semblable. Un noir, soi-disant intellectuel, qui va venir, qui va se connaître haut et fort. Je suis né ceci, je suis un Africain, donc je ne suis pas pour ces réactions. Oui, justement, on ne peut pas, justement, inciter les gens à la violence. Mais si c'est le seul moyen pour s'en sortir, ils sont obligés de le faire. Et ils ont raison de le faire. Parce que les gens qui sont là-bas, ils ne sont même pas rapatriés au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il faut utiliser justement la peur pour contenir le peuple africain, pour les surveiller comme on fait avec les brebis. Leur dire, il y a un loup qui va vous manger, allez-y rentrer dans la baraque. Ils vont tous être là, alors que c'est pour les tendre. Une fois qu'ils sont bien tendus, on les libère. À la fin, ils se disent, ok, il n'y a pas de problème, même si on a été tendu, mais on reste en vie. Alors que tout leur laine a été tendue. Voilà ce qu'on fait avec l'Afrique. On nous met des garde-fous. Aujourd'hui, ces gens-là sont devenus encore 10 fois plus puissants. Vous croyez qu'on a quel répit pour se défendre, nous les Africains? Ils sont arrivés à la vitesse de la 5G. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Déjà avant l'arrivée de la 5G, on n'est même plus capable de nous défendre comme ça. Technologiquement parlant, aujourd'hui, ils sont arrivés à la 5G. Et cette 5G, nous, on est capable de télécharger 20 gigas en une seconde. Ces gens-là n'ont plus besoin de se déplacer pour décimer un pays. Ils vont piloter des drones sur place, ils vous envoient des drones et les bombes pleuvent. Ils déciment tout un territoire. Voilà le niveau où les gens qui sont en haut sont arrivés. Alors quand les gens nous font mal, ou les gens nous font mal si vous voulez, ne condamnez pas les Africains. Soyez intelligent comme vous voulez. Soyez intellectuel comme vous le comprenez vous. Parce que être intellectuel, ce n'est pas venir parler le grand français. C'est comprendre les choses. C'est ça la sagesse. Je suis fier de mes ancêtres qui ne sont jamais allés à l'école. Mais ils ont guidé leur peuple. Les anciens de l'Égypte antique ont atterri en Éthiopie en char de feu. Ils se sont matérialisés en corps humain. C'est ces gens-là, avec notre ancêtre Nalo Kengo, qui a conduit le peuple africain jusqu'à Ozimba, le sanctuaire en français. Les gens l'appelaient la Rhodésie. Aujourd'hui, pourquoi on appelle ça Zimbabwe? Parce que le Zimba en Congo veut dire sanctuaire en français plutôt. C'est l'endroit où les gens se sont retrouvés pour être inspirés, rentrer en connivence avec le Saint-Esprit dans le ciel afin de montrer le chemin.
Voilà pourquoi, là-haut, ils nous ont envoyé le Mamamba Ngalangwama Benivoa qui a guidé le peuple Congo jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Mozambique, au Namibie, jusqu'au Congo, jusqu'à arriver en Angola. Nous n'avions pas de problème de pays, ni de terre divisée. L'envahisseur est arrivé, il nous a dessiné avec des coups de crayon dans des réunions ici en Europe pour bien nous diviser. Ils nous ont mis des préfets qui n'ont même pas la parole devant ces gens-là. Ils appliquent simplement ce qu'on leur demande de dire. Ceux-là qui doutent allaient suivre l'histoire du Gabon avec Léomba et le défunt Omar Bongo. Vous allez bien comprendre ce qui se passe justement. Parce que venir insulter les gens, c'est bien. Mais quand les gens vous édifient, les gens vous montrent la lumière, essayez de respecter ces gens-là. Parce que nous ne sommes pas nombreux à le faire justement. Beaucoup de nos semblables font le commerce de la Chine. Les Chinois font tout, même les petits boulots qui devaient revenir à nos peuples, ils les ont tous pris. Nos chefs d'État les voient dans les différents pays. Ils font quoi? Nous n'avons pas, admettons, dans nos différents pays en Afrique, des gens qualifiés dans les métiers manuels. Nous n'avons pas des maçons qualifiés. Nous n'avons pas des menuisiers qualifiés. Nous n'avons pas des électriciens qualifiés. Nous n'avons pas des couturiers qualifiés. Si, nous les avons. Nous les avons. Mais il leur manque simplement les moyens. Mais ce n'est pas les milliards justement qui manquent pour doter à ces gens-là les machines qu'il faut afin qu'ils puissent développer notre continent. Mais non, la politique donnée et les règles ne sont pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ils essayent de faire semblant d'améliorer tel ou tel pays pour rentrer la division. Semer le doute dans les têtes du peuple africain afin de nous opposer les uns les autres. Je parle en connaissance de cause. Je vois la division qui existe entre les Africains, même dans les chantiers en Europe. Quand tu arrives dans un chantier, tu trouves des ouvriers maliens, la première des choses qu'ils vont te demander, t'es d'où? T'es congolais? T'es congolais? T'es malien? T'es guinéen? C'est ça la question qu'on pose aux autres. Il ne se contente même pas de savoir que c'est juste un semblable comme lui. Il faut l'aider. Il veut savoir d'où tu viens. Voilà où l'homme puissant nous a mis. Moi aussi, j'ai peur d'être suivi ou poursuivi en diffamation. Parce que c'est bien de rentrer dans les polémiques à deux balles. N'est-ce pas l'Africain qui interdit à son semblable de mettre pied sur son territoire? N'est-ce pas nos semblables africains qui utilisent la xénophobie? Mais aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se passe là-bas au niveau de la Chine. On ne sait pas si c'est des Congolais de Brazzaville, si c'est des Congolais de la RDC, si c'est des Maliens, si c'est des Guinéens. On ne sait pas exactement la nationalité des gens qu'on est en train de mettre en non-assistance à personne en danger par les Chinois. Mais les Nigérians ont réagi. Ils n'ont pas calculé si c'était des Congolais. Ils n'ont pas calculé si c'était des Ivoiriens. Ils n'ont pas calculé si c'était, des Burkinabés. Non. Ils ont vu que c'était leur semblable. Ils ont réagi avec les moyens de bord. Et leur gouvernement a convoqué en urgence l'ambassadeur chinois. Nulle était cette action. Peut-être le gouvernement n'allait pas bouger. Alors je demande humblement aux différents chefs d'État de nos pays africains de faire pareil. De convoquer en urgence ces ambassadeurs-là afin de leur faire comprendre oui, nous avons une politique à suivre mais le peuple doit être respecté à leur juste valeur. On ne peut pas tolérer que nous sommes les grossistes qui fournissent tout jusqu'à ce que vous ayez la 5G et continuer à nous taper dessus comme ça, comme des chiens, comme des animaux. Ça suffit la barbarie. Ça suffit la barbarie pour le peuple africain. Nous avons suffisamment souffert. Nos ancêtres se sont battus justement pour gagner cette lueur de petite liberté qui n'en est même pas une aujourd'hui. Mais nous avons régressé et nous avons banni et marché même sur le combat pénible que nos ancêtres ont mené
pour avoir cette petite liberté où nous avons la possibilité de travailler dans le même bureau que ces gens-là. Ce n'est pas une histoire de blanc ou de noir. Parce qu'il y a des blancs qui bavent en ce moment. Mais quand j'avais fait un direct récemment, je vous avais dit, regardez sur BFM TV. Les journalistes reporters aujourd'hui qui sont en train d'être envoyés sur le terrain. Regardez la couleur de ces gens-là. Vous allez vous rendre compte. Il y en a qui m'ont même critiqué, mes semblables. Mais vous voyez dans les hôpitaux, lesquels ils ont mis au front, en première ligne, nos semblables. Récemment, quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit, on est en train de nous assassiner. Il y a un commerce d'organes qui est organisé. Il y en a qui m'ont critiqué, il y en a qui ont dit n'importe quoi. Mais vous avez vu la personne qui a été laissée débranchée à l'hôpital. Une personne qui est encore vivante. Ils l'ont justement, carrément débranchée en fait. Ils ont maintenant décidé de qui doit vivre et de qui ne doit pas vivre. Alors aujourd'hui, le peuple africain réagit. On nous envoie des pseudo-intellectuels pour venir faire des leçons de morale aux Africains, comme quoi que la réaction nigérienne ou la réaction des autres Africains qui s'attaquent justement aux Chinois est disproportionnée. Non! Je n'en vois pas les gens à la violence, mais c'est le seul moyen que ce peuple-là a de se faire entendre. On est obligé de les comprendre. Parce que c'est la loi de la survie. C'est la loi de la survie. Quand une personne se trouve par rapport à la loi de la survie, il n'a plus le choix. Il se débrouille avec les moyens de bord. Parce que nos différents chefs d'État, je ne nexe pas un chef d'État, mais je parle des chefs d'État africains en général. Ils sont bâillonnés. Ces gens-là n'ont pratiquement pas le pouvoir de s'imposer, qu'on ne vous trompe pas. Donc, venez pas nous donner des leçons de morale en disant que seul Emmanuel Macron a eu le courage de dire que non, le colonialisme, ceci, cela, aucun président n'a parlé. Oh, on n'est pas si bête que ça. Il y a peut-être des moutons de Panurge qui ne comprennent pas votre gros français. Mais il y a des gens comme les Normes de Paris, Zarathustra, King of Sap, réfléchis. Je comprends ce que vous voulez faire, justement. Et ça ne passe plus. Le peuple africain a compris. Il a l'œil ouvert. Vous n'avez pas certainement remarqué dans les pays africains, la brutalité est à outrance. Pourquoi on brutalise les gens? Je suis même tombé sur une vidéo qui m'a indigné où je voyais une maman, une dame avec un monsieur. Parce qu'ils ont décidé d'un couvre-feu. On laisse cette maman courir. Et eux, ils sont assis dans un véhicule 4x4, les agents de l'ordre. Ça s'est passé chez moi. La pauvre maman, on l'a fait courir parce qu'elle n'a pas respecté les règles. Mais il y a d'autres méthodes. Et en plus, c'est filmé, diffusé. Vous croyez que pourquoi ils font ce genre de truc? Mais c'est pour bien traumatiser les gens. Dans un groupe, quand tous les brebis écoutent, il y a toujours deux ou trois récalcitrants. Et des fois, on prend la décision d'exécuter le plus têtu devant tout le monde. Alors ça marche à tous les coups. Une fois l'exécution pratiquée, tout de suite, tout le monde se met à carreau. Voilà pourquoi on nous diffuse ces vidéos-là. Quand j'ai déclaré hier qu'il y a le trafic d'organes qui s'est organisé. Nos anciens sont en train d'être tués. Personne ne m'a cru. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Quand j'ai parlé des mesures d'accompagnement, ici, j'ai été l'objet des attaques. J'ai été traité de traître, justement, quand je parlais des mesures d'accompagnement. Mais aujourd'hui, tout le monde parle des mesures d'accompagnement. Il y a toujours des gens qui ont une longueur d'avance dans les choses.
Donc, mes sœurs et frères, des fois, même face à son pire ennemi, on n'agit pas par clan, mais on agit par patriotisme. La patrie d'abord. Quand on aime son pays, on aime son peuple, on est obligé de prendre les décisions pour l'avantage de tout le monde. Le seul péché des chefs d'État africains, c'est que tous les avantages qu'ils tirent de la mission qui leur est donnée, c'est qu'ils mettent à l'aise leur clan. Tous les biens pour un seul clan. Et c'est ça qui favorise justement la haine. Si c'est ça la ligne politique qui a été donnée, que vous devriez suivre, c'est vraiment malheureux. Mais vous pouvez aussi faire semblant. Je ne veux pas citer d'autres chefs d'État africains qui essayent de faire des trucs pour leur peuple. Non. Et nous, le peuple, quand on n'a plus de moyens ou de possibilités, quand on ne compte plus sur quelqu'un pour se faire aider, on utilise justement l'instinct de survie. Je vois mes compatriotes qui pleurent. Nous sommes au centre-ville à Ouenzé, Brazzaville. Mais on n'a pas d'eau, alors que nous sommes dans un pays où il y a de l'eau à un mètre sous nos pieds. Mais oui, à ce moment-là, quand les gens ne prennent pas soin de vous, prenez-vous en charge. Qu'est-ce qui vous manque de faire des puits? Moi, j'ai grandi dans les puits. Dans chaque quartier de Brazzaville, il y avait des puits. Creusez, faites des puits, achetez du javel, mettez dedans, vous aurez de l'eau. En attendant d'attendre que les autres font quelque chose. Sinon, vous allez mourir. Alors, il faut utiliser les moyens de survie. Nous avons au moins 400 mètres carrés de parcelles à chacun. Qu'est-ce qui nous manque de faire, de créer des sillons, créer des potagers? Personne ne nous interdit cela, mais on ne le fait pas. Les gens sont là, on est là dans la sapologie, dans le machin, on s'assoit là, on est sapeur. Voilà, j'attends mon grand qui est à Paris, il va m'envoyer un costume. Voilà, je veux paraître. On veut trop le luxe. Voilà le grand problème. On est rentré dans le luxe et le luxe nous emmène dans le fainéantisme. Moi, avant de me proclamer sapeur, j'ai d'abord appris un métier. N'est-ce pas nous qui faisons exactement ce que nous condamnons aux autres? Oui, les chefs d'État sont corrompus. Mais lesquels qui envoient de l'argent aux gens en Afrique, aux jeunes qui sont dans des conditions misérables, qui galèrent justement, on leur envoie de l'argent pour faire des audios bidons afin de diffamer sur vos amis de la diaspora? N'est-ce pas la corruption? Quand vous achetez la conscience d'une personne, lui envoyer de l'argent pour insulter quelqu'un, ce n'est pas la corruption? Et vous souhaitez aller diriger justement nos différents pays demain et les gens vous écoutent. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Mais moi, je refuse de mourir de la vérité. S'il y en a, je vais la dire, cette vérité. Parce que je suis multifacette. Je ne suis pas là pour traiter justement un sujet. Je suis capable de traiter plusieurs sujets grâce à la sagesse que mon feu papa m'a laissée. Je n'ai pas besoin d'avoir bac plus 50 pour diriger. Et aujourd'hui, le monde a suffisamment évolué. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour diriger. Ça, vous devez le comprendre. Parce que le pouvoir, c'est tout un appareil derrière. Chacun a un rôle. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, les Chinois doivent comprendre que le peuple africain, c'est des humains comme eux. Ils n'ont pas à prendre des femmes, des hommes. Et il y a peut-être des images qu'on ne nous a peut-être pas montrées. Stockés comme ça, comme des bêtes, comme des animaux. Sans masque, sans rien du tout. Parce qu'il y a eu soi-disant deux Africains qui ont ramené justement le virus, qui ont transporté avec eux, je ne sais pas par quelle voie, le virus en Chine. Il faut arrêter au bout d'un moment. L'Africain n'est pas aussi bête que ça. Vous n'allez pas faire porter le chapeau du virus corona au peuple africain. Vous l'avez créé, vous. Finissez avec. Point barre. Alors, vous êtes suffisamment développé technologiquement.
vous avez les moyens pour décimer nos peuples. Alors si le seul moyen qu'on a pour résister et pour réagir et pour faire entendre notre voix, c'est d'appliquer la violence, eh bien on appliquera. Parce que vous avez bâillonné nos chefs d'État. Vous les avez bâillonnés. Donc on se débrouille comme on peut. Donc arrêtez de venir faire les leçons de morale aux Africains pour une fois que les Africains se lèvent pour une cause, défendre les leurs. Et il y a encore un Africain qui vient faire l'intellectuel pour essayer de faire comprendre aux gens, non, il y a des Africains qui sont mariés avec des Chinoises. Et alors? Et alors? Et alors? Je ne dis pas qu'il faut brutaliser cette ou la dame qui est mariée avec un Africain. Non. Mais dans la foulée, si ça arrive, ça s'appelle des dommages collatéraux. Ce qui s'est passé en Chine, si vous allez demander, ah oui, malgré, il y a eu des victimes, il y a quelques Africains qui sont morts. Ils vont vous parler des dommages collatéraux. Mais c'est quoi les dommages collatéraux? Quand on vous parle de dommages collatéraux, c'est des gens qui ne veulent pas avouer leurs crimes. Ça veut dire qu'ils créent un truc pour décimer tout un peuple. Ils ont tort, ils l'ont fait sciemment. Et quand on les interpelle, à ce moment-là, on vous parle des dommages collatéraux. Comme ça, ça passe bien. Comme ça, ils ont bien mis le miel. Dommages collatéraux. Avant de commencer à mettre nos semblables dehors dans la rue, sans masque, sans rien, ils n'ont pas réfléchi. Vous inquiétez pas. La personne qui a pris la décision avait bien réfléchi. Et nulle était la réaction de nos semblables nigériens. Leur gouvernement n'allait pas aussi réagir. Mais ils ont réagi, ok, comme ça en public. Mais qui sait? Qui sait ce qui se passe en coulisses? Mais la police chinoise peut aussi agir différemment. Parce que ces gens-là ont une mission. On a vu des vidéos ici où on parle, non? Prêtez-nous le soleil, rendez-nous le soleil. Il faut bien suivre les gens quand ils parlent. Moi, je suis né sur le continent africain. Mais il n'y a pas un Chinois ou un Français ou un Anglais qui est venu dire que tu ne peux plus mettre pied dans ton pays. C'est un semblable comme moi qui monte des histoires comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne voit que lui. Commençons à regarder nos semblables par rapport à la volonté de sauver nos patries d'abord. En individualité dans chaque pays. Et après, à ce moment-là, que les Africains aussi se réunissent quand il s'agit d'une cause nationale. Aujourd'hui, on a passé outre. Les gens veulent faire l'amalgame pour mélanger le christianisme et les musulmans. Ça n'a rien à voir. On parle des faits réels. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme. Ça n'a rien à voir. C'est des faits qui ont été commis, vérifiés et réels. Alors, les Africains ont le droit aussi d'agir par rapport aux moyens qu'ils possèdent. Point. Il n'y a rien à condamner. Il n'y a rien à condamner. Mais là, au moment où je vous parle, si je vous cite le nom de la personne qui a fait la vidéo, aujourd'hui même, il y aura mes semblables africains qui vont commencer à m'insulter, qui vont essayer de faire des comparaisons bidons. Quitte à même donner la possibilité à ces gens-là de pouvoir me poursuivre en diffamation. Parce que nous agissons comme ça. Parce que nous ne voyons pas l'avantage pour tout le monde. Nous voyons les avantages individuels. Je dis bien individuels. Nous sommes en train de mourir en masse. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît, parce qu'elle n'arrête pas de bégayer. La vidéo n'arrête pas de bégayer, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Nous sommes en train de mourir en masse. On ne les compte plus. À chaque fois, on reçoit des messages, des portraits des gens qui meurent, s'il vous plaît, mes soeurs et frères. Arrêtons de trahir nos semblables.
Arrêtons de trahir nos semblables. Commençons déjà par là. Prenons des décisions pour l'intérêt de tous et non pour des intérêts personnels. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous faire un beau discours en vous proposant des dons. Mais l'Africain ne doit pas vivre uniquement par des dons. En temps normal, nous n'avons pas besoin. Apprenons à nos peuples comment faire pour acheter le manioc. Arrêtons ces solutions éphémères qui disparaissent demain. J'ai beau vous donner de l'argent aujourd'hui, mais si je ne vous donne pas, je ne vous apprends pas comment créer, cet argent-là finira et vous allez revenir mendier encore. Voilà pourquoi on nous traite de mendiants. Et quand la même personne vient nous dire dans sa vidéo, si nous ne voulons pas être traités de mendiants, arrêtons d'aller pleurer dans les maisons des autres. Vous avez oublié que c'est eux qui sont venus chez nous nous piller, nous prendre nos richesses, nous prendre nos biens, nous prendre nos femmes. On était tranquille chez nous là-bas. Et si aujourd'hui nous sommes ici, on considère qu'on est chez nous parce qu'on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Alors arrêtez de venir faire des leçons de morale. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, des Italiens qui se retrouvent sur un territoire somalien demandent la prolongation de leur visa parce qu'ils ont peur de retourner chez eux? Qui aurait cru? Qui aurait cru aujourd'hui dans les porte-avions des embarcations des plus puissants, les USA, la France, que les soldats auraient commencé à mourir comme des mouches? Qui aurait cru? Et on veut nous faire porter le chapeau à nous comme quoi que nous sommes les créateurs de ce fameux virus, tout en venant avec des méthodes diplomatiques, aristocratiques. Et le peu d'Africains qui ont compris cela, qui cherchent à le dénoncer, on nous envoie un nègre de maison pour venir amadouer le cerveau des Africains comme quoi je ne suis pas d'accord avec cette violence, on ne peut pas. Mais non. Tous les Africains n'ont pas les moyens d'ouvrir des commerces. Alors pour survivre, s'il y a un Chinois qui a été envoyé avec le fonds de son pays, qui ouvre une petite épicerie dans le coin, eh bien le black il va d'abord aller là-bas. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc donnons-nous déjà les moyens de créer nous-mêmes avant de commencer à faire des comparaisons bidons. Parce que à chaque fois que vous viendrez pour essayer d'amadouer le peuple africain, pour fédérer autour de vous un grand nombre de personnes qui sont aveuglées justement par vous, parce que vous êtes ceci, parce que vous avez telle ou telle étiquette, vous aurez toujours des gens comme les Norbas qui vont venir pour vous combattre et vous contrer. Oui, on va vous contrer. Parce que avant, on donnait la main gauche. Et quand on nous giflait, on redonnait la main droite. La joue droite plutôt. Maintenant, c'est fini. L'Africain applique la vendetta. Œil pour œil, dent pour dent. On ne provoque personne. On n'a rien demandé. Vous êtes venus nous chercher. Vous êtes venus prendre nos biens, nos richesses, nos femmes, tout ce que nous avions de plus précieux. Il n'y a pas de problème. Donc, vu que vous avez créé cela, eh bien, nous sommes obligés d'aller chercher là où il y a la lueur de survie. Et de prendre quelque chose pour envoyer à nos semblables pour qu'ils survivent. Ce n'est pas nous qui avons créé cette situation. Il y a encore des embarcations des Africains qui viennent mourir dans la Méditerranée par milliers. Je dis bien par milliers. Ça fait quoi comme bruit? C'est quoi à côté des morts du corona? Le calcul est vite fait. Le nombre de personnes qui se sont noyées, mes semblables africains, là dans le Gibraltar. C'est quoi à côté des morts du corona? Je rends d'ailleurs mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des gens dans le coronavirus. Je rends mes condoléances et je rends hommage à tous ces morts qui sont morts inutilement. Parce qu'aujourd'hui, que quelqu'un soit mort
d'infarctus, quelqu'un il soit mort de quoi, tous ces morts-là sont alignés sur le coronavirus. Mais derrière, il se cache quelque chose que nous ne savons pas. Ce qui se cache là, c'est que nous devons savoir que le monde ne sera plus ce qu'il était avant qu'on nous confine. Ça y est, c'est fini. Et là, c'est là où se situe ma peur. C'est là où se situe ma peur parce que ces gens-là ont gagné, en fait. Mais comme nous, Africains, nous sommes des guerriers, on ne lâche rien. Et on ne va pas considérer cela comme une victoire. Nous allons continuer à nous battre jusqu'au bout. Parce que la terre, c'est ce qu'il y a de plus cher en nous. La terre, c'est ce qu'il y a de plus cher en nous. Et on ne va pas la laisser ou la léguer aux gens. Parce que nous savons que nous avons notre descendance. Nous, on nous a légué la terre africaine. Et nous la léguerons à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est comme ça, pas autrement. Donc, toutes les guerres qu'il y a en Afrique, il n'y a que deux méthodes pour les résoudre. Il n'y en a pas mille, il n'y en a que deux. Soit c'est la méthode douce, soit c'est la méthode brutale. Et c'est que ces deux méthodes que les puissants utilisent pour nous anéantir. Soit ils vont venir pour vous brutaliser, faire la guerre. Et si ça ne passe pas, derrière on lance la négociation, ça veut dire le dialogue. Il n'y en a pas quatre ou cinq. Il n'y a que deux méthodes. Et c'est les méthodes que nous devons appliquer dans nos différents pays. Arrêtons de penser que parce qu'on s'acharne sur un système ou tel système, c'est là où il y a la solution. Nous avons vu dans tous les pays africains où il y a eu un changement politique, un changement de mouvement, ça n'a pas avancé, ça n'a fait qu'empirer les choses. La RDC est là. L'exemple récent, elle est là, la RDC. Il y avait des problèmes à l'époque au Kabila. Aujourd'hui, il y a Tshisekedi. Est-ce que ça bougeait d'un iota? Non, c'est que des problèmes. Donc, commençons nous-mêmes à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Utilisons les moyens de survie. Et ces gens-là vont comprendre que oui, on leur prive de ceci, mais ils trouvent les moyens. Quand il faut se soigner, utilisons les méthodes traditionnelles. Ça ne nécessite pas des complications. Nous avons une faune abondante. Nous avons une flore abondante. Donc nous avons ce qu'il faut pour nous soigner, traditionnellement parlant. Quand il s'agit de manger, on a la possibilité de se nourrir. Il suffit de trouver des graines, faire des sacrifices au moins 4 à 5 mois. Créer des potagers derrière nos maisons. On aura des légumes. Et si une, deux, trois, quatre parcelles commencent à faire cela, va s'installer le troc. Ça veut dire que le change alimentaire. J'ai des légumes, je te donne. Tu as de l'oseille, tu me le passes et on mange. À l'époque, nous, quand on grandissait chez moi, il y avait des cabris, il y avait des chèvres, il y avait des canards. Il y avait des poules. Je me demandais, mais pourquoi mon père envahissait la parcelle de ces animaux-là? Mais parce qu'il avait déjà l'instinct de survie en lui. Vous vous rendez compte? Un porc, un cochon, combien il fait d'enfants? Si vous avez deux cochons chez vous, eh bien, ceci, il fait trois fois des petits par année. Trois fois un cochon fait des petits par année. Et il n'en fait pas deux. Il en fait parfois une dizaine, une douzaine. Si vous en avez deux qui font des petits, vous aurez du coup 24 bêtes. Comment vous n'arriverez pas à vous nourrir à votre faim? Impossible. C'est parce qu'on compte toujours sur les autres pour se nourrir. Donc, quand on est en face de quelqu'un sur qui on compte, dès lors qu'on se rend compte que la personne ne peut rien faire pour moi, eh bien, on crée des moyens de survie. Parce qu'à ce rythme-là, nous allons commencer à nous bouffer entre nous. L'échelle des classes va permettre que la classe qui est par terre va commencer à s'entretuer et devenir même des cannibales. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont assassiner leurs semblables, foutre dans le congélateur et commencer à le bouffer sans rien dire. Peut-être que ça se fait déjà. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Quand un canard fait des petits, il fait beaucoup de petits. Et avec ces petits-là, quand ils grandissent, on a de la viande à gogo.
Donc arrêtons chaque fois d'attendre le salut du gouvernement, parce que ces gens-là ne feront jamais rien pour nous. Rien du tout. Comprenons ça. Arrêtez de venir attaquer les uns les autres. Celui-là, c'est un traître. Il travaille pour tel ou tel gouvernement. Oui, ok. Si on vous mettait à leur place, vous allez faire pareil. Ça se lit par votre haine, par votre jalousie, par votre manipulation. Alors, Norma de Paris, c'est le type de personne qui n'a jamais peur pour dire quelque chose. Telle est ma mission. Alors faites attention les pseudo-intellectuels. Vous devez savoir que ce qu'on nous a gavé dans la tête, depuis l'école primaire, jusqu'à ceux-là qui ont bac plus 10, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas ce qui fait des gens des intellectuels. Ce n'est pas ce qui fait des gens des sages. On bourre la tête de nos enfants avec des calculs à la con sur lesquels d'autres ne se servent pas. Moi, j'ai appris les mathématiques, les racines carrées, les valeurs absolues. Est-ce que je m'en sers dans la vie quotidienne aujourd'hui? Non! Ma tête a été bourrée par 5-10 matières. Tous les jours. Une heure de français, une heure de philo, une heure de chimie, une heure d'anglais. Tous les jours. Plusieurs matières. Est-ce que je me sers de ça à la vie quotidienne? Oui, quelques-uns, oui. Mais en fait, en réalité, au jour d'aujourd'hui, je comprends maintenant que ces gens-là m'ont gavé de la tête et ils gavent de nos enfants de la tête. C'est pour les dresser comme eux veulent que nous soyons. Et c'est les mêmes personnes justement qui viennent faire l'intellectuel ici sur Internet. C'est des infiltrés qu'on paye pour venir insulter les gens. Mais en retour, jusqu'à présent, on nous sort nos semblables en Chine par misère. Nos semblables meurent dans le Sahel. Nos semblables meurent par des embarcations dans le Gibraltar. Nos semblables sont enfermés dans des cages en Libye. Que proposez-vous les pseudo-intellectuels qui viennent avec des Français arrondis? C'est pas ça la sagesse de guider un peuple. Nos ancêtres, quand ils ont guidé nos anciens, qu'eux, ils sont venus chercher, qu'ils sont soumis à l'esclavagisme, ils n'étaient pas à l'école. Mais ils ont géré des peuples dignes de ce nom, intelligents, sages, dévoués. Les femmes étaient respectées. L'homme était guerrier. L'homme partait en brousse, il tuait un léopard à main nue. C'était ça l'Africain. Mais aucun de nous n'est capable aujourd'hui de tuer un léopard à main nue. Il nous faut les outils des Européens. Et nous avons mis tout notre espoir dans ces outils-là. Et n'est-ce pas les mêmes outils qui nous déciment aujourd'hui? C'est les mêmes. Parce que ça a été fabriqué justement pour être dressé contre nous. Parce que eux ne feront jamais la guerre. Eux ne feront jamais la guerre. Si ils ont créé des assemblées, tout ce qu'ils créent, le G20 et tout ça, c'est pour réunir et parler. Tout ce que le peuple africain est en train de vivre aujourd'hui, eux, ils l'ont vécu. N'oublions pas qu'ils ont vécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils savent très bien ce que c'est la guerre. Ils savent très bien ce que engendre une guerre. Ils savent que c'est affreux. Donc, ils ne sont pas prêts demain pour revivre les mêmes choses. Mais nous sommes les premiers à utiliser ces méthodes-là. Parce que tout ce qu'ils fabriquent aujourd'hui, justement, c'est destiné pour un continent. Parce que nous sommes le continent le plus puissant. Parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Pas dans le sens que vous comprenez, vous, mais comprenez le berceau de l'humanité. C'est là où toute la richesse et tous les peuples viennent dormir, s'asseoir. Ça veut dire que c'est là où ils viennent manger même. Donc c'était l'objet de mon coup de gueule. Soyons main dans la main. Aimons nos semblables. Aimons nos semblables.
Mais Norba de Paris vous aime aussi. Norba de Paris vous aime. Quand je viens faire des directs, je ne viens pas m'ériger en héros ou je ne viens pas attaquer mes semblables. Mais je viens de temps en temps proposer mes idées. Quand l'inspiration vient, je ne suis pas là pour le buzz. Contrairement à beaucoup de gens qui sont, on va dire, en quête de célébrité, qui vont vouloir s'attaquer à certains d'entre nous Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup à vous. Protégez-vous. Respectez les consignes de sécurité. Respectez les consignes de sécurité. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Yes. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Voilà, dans cette pandémie. Je rends hommage à tous ceux aujourd'hui qui ne sont plus de ce monde à cause de ce virus. Je rends hommage à mon pays, le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu protège le Congo. Que Dieu donne une lumière au Congo. Ainsi qu'à tous. Soyons forts. Mets dans la main. C'est Norba de Paris, Zarathustra, Mfumu Nabai, l'homme du palais intendeur d'Ouest, m'a claro que l'agua. Il m'a claro que l'agua n'a point de sel et le Firenze. Quand je me rends aussi beau, je le vis bel et bien. Voilà. Un peu de sang, ça fait du bien. Yes, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Partagez la vidéo, merci à vous. Yes. Oh, crocodile, toi qui étais paisible dans les eaux douces, comme dans les eaux calmes. Mais l'homme méchant qu'il est, méchant qu'il est l'homme, il est venu te chercher là où tu es, pour te décapiter. Abonnez-vous massivement sur ma page Norba de Paris Nimérode. C'est ma page officielle. Norba de Paris Nimérode. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ça donne de la force. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous sur mon compte YouTube Norba de Paris. Instagram Norba de Paris. La page Facebook Norba de Paris numéro 1. Grâce à vous, force à vous. C'est des poids mouches. Vous êtes des poids lourds. Norba de Paris. On va devoir se quitter. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Le King of the King. Il n'y a qu'un seul King. L'Afrique est là. Aimons l'Afrique. Aimons l'Afrique, aimons l'Afrique. Là, je tape Céline. Ah, Ska, manifeste-toi pour Mukimbangu. Toujours le système, il y a Boudon, Likofi, Boudon, 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 Boudon. Zarathustra, Mfumu Nabao. Yes. Mettons-nous main dans la main pour l'Afrique, la mère patrie. Sauvons notre continent pour l'avenir de nos enfants. Oui.
Pensons à nos familles, pensons à nos familles. Merci beaucoup. Je vous laisse.